Et c'est le moment attendu en ce début d'été. Les soldes ont débuté. Nous étions ce matin dans un centre commercial à Englos et dès l'ouverture des portes, il y avait déjà beaucoup de monde. C'est parti donc pour 5 semaines d'articles à prix réduit, histoire de se faire plaisir avant les grands départs en vacances. Parmi les articles prisés en grande surface, l'électroménager, mais aussi les produits de déco pour la maison, encore le jardin. Les stocks sont bien rempli en raison de ces conditions météo maussades près de chez nous ces dernières semaines. Dans cet autre magasin, grand magasin du centre-ville de Lille, dès l'ouverture, 1000 clients ont franchi les portes dans la première demi-heure, une belle affluence. Ici, les soldes d'été représentent 12% du chiffre d'affaires de l'année. Les modèles d'été, que ce soit en habillement ou chaussures, sont importants en raison donc de cette météo qui n'a pas été exceptionnelle ces derniers temps. Alors, les démarques sont plus ou moins conséquentes, comme nous avons pu le constater auprès des clients ce matin. Bah, je trouve que je pensais voir 50% d'office, mais en fait, apparemment, ça commence quand même à 30. Hein. Malgré les annonces faites tonitruantes, bon, on trouve beaucoup de 30% quand même. Je pense que ça démarre très fort. Oui, effectivement. Ouais. Voilà. J'ai trouvé ce que je voulais. Donc j'étais venue pour une chaussure que j'avais repérée et donc je l'ai trouvée à moins 50%. Donc je suis contente. Une bonne affaire. On va dire que j'ai pas fait de la super affaire des soldes. Mais bon, j'attends. Voilà. Il y a déjà des bonnes réductions, jusqu'à moins 60% pour certains magasins. Donc ouais, franchement, ça valait le coup de venir aujourd'hui. Ouais.